Ça se peut pas. Dites-moi que c'est pas vrai. Non, je ne puis croire ce que mes yeux voient. Comment ça va? Non! C'est qui dans la TV qui te met dans cet état-là? La lutte! Je pensais que c'était quelque chose de grave, une catastrophe naturelle ou quelque chose. C'est bien pire, Denis. Pat the Patriot est sur le point de perdre sa ceinture aux mains du Evil Muslim. Comment, franchement, depuis tantôt qu'il est pris d'un câble, faiblissant de plus en plus à chaque coup sournois de son vil adversaire? Vas-y, Pat! Ressaisis-toi! Passe à pom pom pam! C'est qui ça? C'est la fiancée de Pat, ça. La ravissante Pamela, mieux connue sous le nom de Pom Pom Pam. Elle est cheerleader, mais aussi agent secret. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'avoir là-dedans, hein? Mais c'est elle l'enjeu de cet affrontement, car le Evil Muslim l'a kidnappée afin de la séquestrer dans son harem. Ouh, donc le Evil Chose, c'est le méchant, ça. Que oui! Et Dieu seul sait quel tour diabolique qu'il cache sous son turban. Donc l'autre, ça serait le bon. Et comment pourrait-il en être autrement, Denis? Pat est beau, blond, musclé, et son costume aux couleurs du drapeau américain lui moule si patriotiquement le lunch. Ouais, je vois ça, là. Oh, mais là, je crois que Pat en est à sa dernière ressource dans les camps. T'as je m'inquiéterais pas trop. Oui, pourtant, le Evil Muslim va lui clouer les épaules au plancher. Mais, mon Dieu! Non, je n'en crois pas mes yeux, Denis! Pat de Patriot semble avoir un regain d'énergie. Regarde-le! Oh. Oh, mon Dieu! Regarde-le aller! Marteau pilote! Descente du genou, la clé de bras japonaise! La prise du sommeil! Et un, deux, trois! Oui! Oui, monsieur! Pat de Patriot a sauvé son honneur, ainsi que celui de la démocratie! Oui! Et là, il va remercier le Seigneur de s'être tenu dans son coin du ring. Comment ça, tu sais ça, toi? Ben voyons, tu t'as pas vu venir, il me semble que c'est gros comme une maison. Le scénario était facile à prévoir. Comment ça, le scénario? Non, jamais, c'est de la lutte. Puis? Ben. Ah, oh ben, Denis Charest. Serais-tu en train de m'avouer candidement que tu penses que la lutte s'est arrangée? Ben voyons. Jean-Louis, qu'est-ce que t'as? T'es ben blême? Oh, c'est à cause de ce qui m'est arrivé en m'en venant. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Rage au volant. Oh non. Il y a quelqu'un qui a pété une coche puis qui s'est mis à te poursuivre? Non. C'était moi l'agresseur. Des fois, là, je me fais tellement peur. Oh, Jean-Louis, rassure-toi, là, je suis sûre que t'es tout seul à avoir peur de toi. Oh. Merci de me rassurer. Oh, c'est rien. Oh, mais tu sais, je sais que vous, vous pouvez pas comprendre ça, hein? Vous êtes des filles, donc nécessairement douces et maternelles. C'est vrai que... Ben là, faut quand même pas généraliser, là. Ah oui, oui. Mais n'empêche que c'est jamais à des filles que ça arrive, ça, de céder à la rage au volant. Alors que moi, comme me le disait maman, je porte en moi la tare ultime, celle d'être un homme. Taré, oui, un homme. Sauf pas trop vite aux conclusions. Sylvie, je sais très bien que j'ai en moi le germe de l'esprit guerrier et de la folie sanguinaire. D'ailleurs, ce qui s'est passé ce matin le prouve abondamment. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais je ne sais pas, je ne sais plus! On aurait dit que mes digues morales avaient cédé en moi et puis que un flot de violence avait submergé mes artères pour me mener à l'acte le plus belliqueux que j'ai jamais commis au volant! Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai klaxonné. Il pense que la lutte, c'est vrai. Qu'est-ce que je te dis? Mais j'espère que t'as essayé de faire comprendre que, dans le fond... C'est pas autre chose que du théâtre des variétés full contact. Comme j'ai essayé de le faire quand même avec douceur, j'avais l'impression d'annoncer à un enfant que le Père Noël n'existe pas. Pourtant, ça t'a jamais fait peur, ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, la dernière année que t'as fait le Père Noël, on t'a vu, Nico puis moi. Avec votre mère, là, comme dans la chanson, j'ai vu petite maman embrasser le Père Noël. Si tu t'étais juste contenté de l'embrasser. De toute façon, on parle pas de ça, on parle de Germain. OK. Alors, si je comprends bien, t'as pas réussi à y faire voir clair. Non, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il me dit qu'un jour, il allait me prouver que la lutte, c'était pas arrangée.
Pas rassurant, ça, tu sais. Lui, quand il a une idée fixe, il... Il paraît qu'il y a des non-croyants de la lutte ici! C'est quoi, c'est-tu la cape? Si c'était juste ça... Eh bien, anyway, ceci s'adresse à ceux qui sont concernés, car mardi soir prochain, si vous vous présentez au sous-sol de l'église Saint-Jude, vous retrouverez la foi, car l'Inter-Paroissial Wrestling Federation présentera le premier combat du mécanicien masqué! Germain. Ah, oh, comment t'as fait pour me reconnaître? Oh, tabarnouche! C'est quoi ces niaiseries-là? Ben, quelle niaiserie? Germain, de la lutte de sous-sol d'église. Quoi? Ça fait de quoi regarder pour le monde qui est là pendant que le corps lutte bingo prend ses breaks? Toute, mademoiselle, tu sauras que l'Interparoissial Wrestling Federation est une organisation des plus sérieuses. On n'en doute pas avec un nom de même. Oui. D'ailleurs, on m'a appris que mes cachets iraient chercher, oh mon Dieu, dans les deux chiffres! Et que peut-on conclure en regardant la carte de mardi soir prochain, sinon qu'elle a de la classe? Car au programme, il y aura combat de femmes et combat de nains. Jamais. Pourquoi t'embarquer là-dedans? Eh bien, pour deux raisons, Denis. Premièrement, je suis allé voir un combat la semaine dernière avec un de mes chums, et je crois que mon gabarit est tombé dans l'œil de l'organisateur. Des plans pour se faire éborgner. Et deuxièmement, quelqu'un que je connais, dont je ne nommerai pas le nom, s'est permis de cracher impuniment sur ce qui fait la pureté de cette activité athlétique. En laissant sous-entendre sournoisement qu'elle était arrangée. Je n'ai pas sous-entendu, je l'ai dit telle qu'elle. Eh bien, qu'à cela tienne, Denis, car mardi soir prochain, tu seras confondu lorsque tu assisteras au combat du mécanicien masqué contre Jean-Paul le Cheikh d'Arabie Cabaret. C'est un vrai de vrai Cheikh d'Arabie. Oui, absolument. Sauf que là, il habite dans un 2,5 sur Papineau. Mais c'est seulement en attendant de retourner dans son émirat pour trouver sa fortune puis ses nombreuses femmes. Tu vois bien qu'il y a rien de vrai là-dedans. Denis, l'arrangage des combats de lutte, là, ça, c'est une légende urbaine. Et même nous, les gens de ce milieu, nous ironisons beaucoup là-dessus quand on parle de nos combats au deuxième degré. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, par exemple, l'organisateur... Il est venu me voir pour me demander de laisser la victoire à Jean-Paul le Cheikh d'Arabie Cadorette en feignant l'agonie au 8e round. Mais quand il m'a fait un clin d'œil, j'ai bien compris que tout cela n'était qu'ironie et qu'en fait, il me signifiait que je pouvais maudire une volée à mon adversaire. Jean-Louis, ça va? T'es bien blême. Oh, ça... C'est à cause de ce qui m'est arrivé en m'en venant. Ben, qu'est-ce qui t'est arrivé? Rage au volant. Ah, hey, là, tu vas te calmer, là, toi, mon espèce de guerrier. Non, cette fois-ci, j'étais la victime. Ah, c'est plus dans l'ordre normal des choses. Roxane, j'ai eu tellement peur. J'ai jamais été agressée d'une façon aussi violente. Ben quoi? Tu t'es fait klaxonner? Si c'était juste ça. Ah quoi? Il a mis ses phares sur les hautes. Au point que je pense que j'ai dû bronzer dans le cou. Ah! Tu y vas de près? Ah ben, au point qu'il a dû voir à quel poste était ma radio. Ben oui, t'as pas essayé de le semer? Ben oui, mais tu sais, des fois, il se rapprochait tellement proche, j'avais peur qu'il me tue. Ah! Sa voiture était beaucoup plus puissante. Non, c'est parce qu'on était dans une zone scolaire, ça fait qu'il fallait que je respecte la limite. Ah! Ben oui, toi. Bref, il m'a pourchassé comme ça jusqu'au coin de la rue, juste ici. Puis là, je sais pas si je serais encore en vie pour te raconter ça si j'avais pas posé le geste intrépide et désespéré que j'ai posé. Ben, c'est-à-dire? Pour la première fois de ma vie, je suis passé sur la lumière jaune. Pour la première fois de ta vie?
Oh oui, je le sais, c'est extrêmement téméraire. Mais lui, il a été obligé de s'arrêter au feu rouge, puis c'est ce qui m'a sauvé la vie. Ah! Écoute, il y en a qui ont l'esprit plus guerrier que toi, hein? Hey, t'imagines comment il doit être, ce gars-là? Ah! C'est violent, incapable de tendresse, là. Tu dois le sentir tout de suite. Oh. Sylvie, ça va? Non, non, non. J'ai eu un tapon des jambes jusqu'au coin, juste ici. Puis si, s'il avait pas été assez chanceux pour pogner en jaune, là, j'y rentrais dedans assez fort que j'y ai tapé sa licence dans le derrière. C'était pas hier soir, le freak show, Germain? Son combat de lutte, ouais. Il y a assez de marge de la journée que j'assiste au combat, mais tu devines que je vais pas retourner ses appels, hein? Ça te tentait pas d'y aller? Pourtant, il y avait des combats de femmes aussi. Hé, hey, drôle, j'avais pas le goût de voir Germain là, ça devait être complètement grotesque. Tu penses qu'il s'est couvert de ridicule? Ben, de quoi tu veux qu'il se couvre? Hé, hey, mes amis, je me suis couvert de gloire! Ce triomphant tour de taille. T'as gagné? J'ai gagné, tu dis? Je n'ai fait qu'une bouchée de Jean-Paul le Cheikh d'Arabie Qatariat! Vous avez changé le scénario? Bon, ça recommence. Non, mais l'autre jour, t'as dit que l'organisateur t'avait demandé de perdre. Et que vous êtes pas vite, des fois. Tu lui dis que la lutte, c'est pas arrangé. Germain, là, j'ai peur d'être en train de comprendre quelque chose, là, mais explique-moi ton combat, juste pour voir. Eh bien, voilà. Dès que la cloche retentit, ce qui marque le début du combat, mon adversaire tenta naïvement de m'amadouer en me faisant un clin d'œil. Un clin d'œil. Hey, que je m'empressais de lui fermer pour au moins quelques jours à l'aide de ce point. Évitant ainsi qu'il essaie de m'attirer dans d'autres manœuvres psychologiques. Comment il a réagi? Par une autre sournoise tactique de déstabilisation. C'est-à-dire? Il m'a regardé et m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là, ton maudit niaiseux? » C'est sournois rare. Eh bien, tu voyais aussi que tout son plan de match t'a basé sur l'effet de surprise, tu sais. Ah ouais, mais il t'a surpris comment? Bien, tout le long du combat, Denis, j'avais beau varger dessus, là, il répliquait jamais. Jamais? T'as non, puis c'est rien que ça. Ça n'a pas été un combat facile, tu sais, parce que l'arbitre était de son bord, il m'a retenu toute la soirée. Jamais, jamais. Non, puis il s'est poussé, Jean-Paul, le Cheikh d'Arabie. A fallu que je cours après jusque dehors et que je l'achève dans le parking. Mais l'organisateur, lui, il a dû aller te voir après le combat? Oui. Mais comment il a pris ça? Il avait l'air assez surpris. Jean-Louis, me rendrais-tu service? Oui, oui. Voudrais-tu aller à la comptabilité, là? Non. Pourquoi? Ah, je vois. Sylvie, viendrais-tu à mon bureau, s'il te plaît? J'arrive. Une expérience de rage au volant ce matin. Encore? Qu'est-ce qu'il a fait de DV cette fois-ci? Il a fermé la radio parce qu'il aimait pas la toune? Non, 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 non. Cette fois-ci, c'était lui, la victime, puis il est resté traumatisé. Ah, oh, pauvre Jean-Louis. Mais ça se peut-tu des gars qui pognent les nerfs à ce point-là au volant? Ben, qu'est-ce qu'il dit que c'est pas une fille? Ah, oh, tout. Une fille, c'est pas violent. Ça revendique ses droits nuance. Ah! Oui, c'est sûr, mais... Regarde, toi, là, ce qui t'est arrivé ce matin, ça ressemblait pas un tout petit peu à de la rage au volant, justement? Pas du tout. J'ai été victime d'un irresponsable qui déstabilisait dangereusement le trafic en respectant les limites de vitesse. Ah. OK, donc, toi, là, t'es pas le genre à plus pogner les nerfs quand t'es en auto? Pas du tout. Sauf peut-être une fois. Ah, qu'est-ce qui est arrivé? Ben... Je niaisais pas, là. J'allais à 140, 150. Puis le gars, il me collait. Puis il me mettait toujours ses hautes, tic-tic-tic-tic-tic, tu sais, le gros chien, là. Uh-huh. Fait qu'à un moment donné, je me suis tannée. J'ai sacré break, puis il y a eu ce qu'il voulait, il me rentrait dedans. Là, avez-vous rempli un constat amiable? Essaye donc, toi, avec une police. Sylvie! Ah oui, puis il y a eu l'autre fois aussi. Sylvie! Ah, quoi? T'as jamais pensé à consulter?
Eh bien, on m'a dit que ma dernière performance a fait beaucoup jaser dans les milieux de la lutte interparoissiale. J'imagine, ouais. Aussi, ont-ils eu l'idée d'organiser un combat impromptu me mettant en vedette, et ça, dès ce soir. Quelle sorte de combat? Un combat revanche, m'a-t-on dit. Toi, là! Dis pardon, mon oncle! Pardon! Pardon! Mais il s'agit d'un incident isolé. Ah, ben oui, c'est sûr. Sauf peut-être une autre fois. C'est-à-dire? Ben, c'était une vieille madame, puis elle allait pas vite, puis elle se tassait pas. Fait qu'à un moment donné, j'ai poigné un nerf, puis je me suis tanné, puis j'ai foncé dedans pour leur voler. Vous avez une manière assez intempestive de conduire votre voiture. Ah, c'était pas mon auto, c'était un chariot d'épicerie. Ah, bon. Je comprends. Donc, la vieille dame, entre guillemets, n'a pas pris le champ, comme on dit. Oh, non, 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 non. Elle a juste se revolé assise d'un surgelé. Vous me rassurez, là. Mais, docteur, est-ce que j'ai un problème? Non, pas du tout. Et pourtant, ma patronne me dit Ne l'écoutez pas, là. Vous êtes sûr? Oui, Madame Côté. En ces temps de rectitude politique, il est de bon ton de se scandaliser de la moindre manifestation d'agressivité. N'empêche, poursuivre quelqu'un pendant 2 heures en auto. Madame Côté, et pourtant, l'être humain est un animal, vous savez. Ça, je le sais, j'ai déjà été mariée. Oui. Et vous pensez que vous êtes la seule à éprouver des moments d'impatience dans la circulation? Je suis médecin, et laissez-moi vous dire qu'il y en a du trafic dans le virage ambulatoire. À ce point-là? Ah oui, avec les listes d'attente et tout, il m'arrive d'éprouver ce qu'on appelle dans le corps médical la rage au bistouri. Est-ce que ça a déjà fait des victimes? Oui, mais elles ne s'en rendent pas compte, elles sont endormies. Bref, tout cela pour vous dire qu'il est tout à fait normal de manifester de l'agressivité dans certains contextes. Mais vous devez trouver un moyen de la canaliser. Mais comment? Écoutez, pour ma part, il m'arrive d'assister à des galas de lutte interparoissiale. Oui. Et vous ne pouvez savoir tout le bien que ça peut faire à quelqu'un dont le métier est de sauver des vies, de pouvoir crier « Tue-le! 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 » Oui, mais c'est arrangé. Non, peut-être, mais certains sont de réalisme saisissant. Écoutez, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai vu à l'œuvre le mécanicien masqué. Le mécanicien masqué? Ah oui, on dirait qu'il se battait pour de vrai. J'ai déjà hâte de voir ce que sera son prochain combat. Combat revanche, quand ça? Hier soir. Mais il y avait quelque chose de pas clair dans son affaire. C'est arrivé. T'as-tu eu de la misère à enlever ton masque? Je vois apprécier beaucoup ton humour, là, Mélanie. C'est juste que ça fait mal quand je ris. Ça serait-tu ton combat revanche d'hier soir? Pas juste un combat revanche, un combat par équipe aussi. C'est-à-dire? Eux autres contre moi. Qui ça, eux autres? Le Sheik d'Arabie Kadarette pis un six-pack de nains. Qui ce monde-là dans l'arène? On t'a pas dans l'arène, Mélanie. On t'a dans le parking. C'est drôle, tu l'avais battu tellement facilement, ton chic de la rue Papineau. Peut-être se meut-il plus aisément sans son costume de lutte. Ou peut-être avait-il simplement figé à cause du trac dans l'arène. À devant la face, il a pas figé cette fois-ci. Pas vraiment, non. Les nains non plus. Disons qu'on était assez loin de Blanche-Neige, tu sais. Jamais, j'espère au moins que t'as compris pourquoi t'as fait ça. Eh bien, semble-t-il qu'on me reproche de ne pas avoir suivi certaines directives. Bon, donc là, tu comprends que c'est arrangé, la lutte. Germain? Ben, peut-être que c'est un petit peu arrangé des fois, là. Bon, peut-être un petit peu plus souvent que des fois, maintenant. Oh, enfin! Il était temps qu'il se réveille et puis qu'il comprenne qu'il faut pas croire à n'importe quoi. Aïe, aïe. Bon, ça fait mal. Je comprends. Tu sais qu'en plus, ça m'a coûté une dent, ce combat-là. Ah, c'est dégueulasse! Va jeter ça! Mais non, je peux pas. Faut que je la mette en dessous de mon oreiller. Bonjour, Roxane. Bonjour, Jean-Louis. «
Qu'est-ce qu'il y a, lui, de ce temps-là? Rien, rien. Tu sais, c'est Jean-Louis. Hey, mais toi, t'as l'air bien sereine et tout. Quelque chose me dit que t'as pas chauffé ton char comme un tank ce matin. Ben, je suis allée consulter comme tu me l'avais conseillé. Bon! Et on m'a fortement suggéré de canaliser mon agressivité ailleurs. C'est-à-dire? Ben, je veux pas tout te dévoiler, là, mais disons que, si tu veux, j'ai des billets pour toi pour la prochaine soirée de lutte de l'Interparoissial Wrestling Federation. Ben là, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire, là? Assister au premier combat de la directrice de marketing masquée. Oh, oh Sylvie, viens pas me dire là, que tu t'es embarquée. Empiquerai-moi! Ça va, Seigneur!